Salut, c'est Collage, bienvenue dans Manmade. On se fait une petite découverte du jeu qui vient de sortir. Cette fois-ci, j'y suis vraiment allé au flair. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien dans la présentation de ce jeu. A priori, ça sera un open world avec de la survie, des activités. On part de zéro, on retape sa maison, on peut planter des légumes. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la présence de véhicules, il y a la présence de missions, de métiers. Et je le sens bien, j'espère que je vais pas être déçu. J'ai vu aucune autre information que le trailer et la fiche Steam. Donc let's go. On va découvrir ça. New game. J'ai même pas joué une heure ou deux pour pouvoir découvrir en amont. Donc à la typo, hein, on peut reconnaître un peu le style russe. Je suppose que c'est un studio russe. Hop là, je suis là. On va passer direct en QWERTY. Et on est bon. Donc on commence sur un port. Parlez à Dimitri. Je sais pas par contre s'il y a des bateaux dans le jeu, s'ils sont utilisables, mais ça serait bien. Donc moi je suis Gregor. Hi Gregor, nice to see you after all these years, finally back home. Anyway, glad to see you back home. Donc c'est le retour à la maison. You can have your old dad's car for your new beginning. Your cousin Ivan parked it at the entrance. Ok, donc visiblement lui c'est une vieille connaissance, il nous accueille et il est prêt à nous donner un petit peu de boulot si on en a besoin. Là maintenant faut parler à Ivan, donc je suppose que c'est un de ces deux là. Well, we were lucky that the sea was peaceful. Actually, the waters are more rough in this area. Ok, donc lui, il va a priori nous vendre plus tard tout ce qu'il faut pour pêcher. Toi, t'es pas Ivan, ok. Est-ce que j'ai une map? J'ai une map. Par contre, je vois pas où je suis. Gregor's position. Ah si, je suis carrément au nord-est. Faut que j'aille à pied? Ah, dis donc, ça fait une trotte. On va voir s'il y a moyen de gratter un véhicule. Alors, par ici, non? Non, visiblement, je peux pas gratter ça. On va aller vers l'entrée, ça sera mieux. Après, peut-être qu'il faut que j'y aille à pied, hein, tout simplement, et que j'ai pas le choix. Hein. Déjà, il y a une Lada. Ben voilà, get in. C'était ma voiture, en plus. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui est parti pendant... pendant une longue période. Alors, get in. I pour démarrer. Ignition. Et on y va. Donc comme d'hab, hein, si vous me voyez sur un jeu qui a priori n'a rien à voir avec les véhicules, bah, c'est qu'en fait, il y a des véhicules. Il y a des véhicules, on pourra en acheter quand on aura de l'argent. Et la conduite, en plus, c'est pas dégueu du tout. Le véhicule a sa physique, je le sens bien au temps de réponse lorsque je tourne. Et ça tombe plutôt bien puisque ce genre de véhicule en général a un temps de réponse. Une espèce de vieux véhicule qui tourne, on dirait un char. Alors, je sais plus où je suis. Droite et encore droite. On va dire ça. Alors juste le son du moteur, il va falloir qu'il le réajuste. Parce que les oiseaux sont plus bruyants. Là, c'est Lada électrique. On a l'essence. On verra ça plus tard, je crois. Hein, parce que il va me falloir de l'argent. Et j'ai pas l'impression d'avoir un copec sur moi. Alors, le jeu est en accès anticipé. Mais bon. Après, ça veut tout dire et rien dire. Je connais des jeux qui, 3 ans après leur accès anticipé, ils en étaient toujours pas à ce niveau. Donc visiblement, il a déjà bien travaillé, ou ils ont déjà bien travaillé, c'est peut-être aussi pour ça. Je sais pas qui c'est ce Ivan, mais... il est pas tout proche. Ouais, la route est longue. La map est assez étendue du coup. Ça me permet de voir la longueur, et là... ça devrait être au bout là-bas. On va devoir retaper, d'après ce que j'ai vu, notre ferme. On pourra également l'aménager. Alors par contre, aussi au niveau optimisation... Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'image des fois qui bloque, qui saccade. Je me suis mis au max. Bon, après, peut-être que c'est pas une bonne idée et qu'il est pas optimisé. Est-ce que ça serait pas lui, Ivan? Je vais me garer. La marche arrière, on l'entend plus. Tiens, je vais me mettre ici. Parfait. Alors, Ivan?
Gregory, so welcome back, my favorite nephew. Donc lui, c'est l'oncle. L'oncle Ivan, il m'a mis bien. Apparemment, il m'a aménagé un petit campement dans ce qu'il reste d'une ferme. On va regarder s'il y a l'emplacement sur la map. Voilà, elle est ici. Donc il va falloir que je continue et que je tourne à la deuxième à droite. Le jeu se joue au clavier pour l'instant. Après, c'est le genre de jeu qui se prête très bien à l'utilisation du contrôleur. Donc je pense que dans le futur, ça sera compatible à la manette. Je vois que j'ai un petit peu moins que la moitié du plein. Donc pour l'instant, ça va. Par contre, si j'ai bien compris, c'est par ici chez moi. Hop là, on tourne. Je crois que c'est là. Hein. Alors par contre, je vais peut-être pas rester au milieu, mais... Moi, c'est ici. Hein. Allez, on va s'arrêter là et on va regarder s'il y a quelque chose pour nous. Oula. C'est quand même pas le frein à main, ça. Alors, le frein à main ne s'enclenche pas, donc c'est pas ça, mais bon. Bref, elle s'est arrêtée, tant mieux. Alors, est-ce que j'ai vie là-dedans? Ah bah oui. Je peux sauvegarder. Je peux me reposer. Bah c'est cool, j'ai ma petite caravane. Faut que je rencontre Dimitri. Donc Dimitri, c'est celui qui m'a accueilli au port. Et je pense que c'est le moment d'aller lui demander un travail du transport. C'est moi ici aussi, non? C'est pas moi. Non, je pense que moi, c'est... Ça doit être ce truc en ruine. Peut-être qu'il y a également l'autre truc en ruine ici. Pour faire une grange ou... Ouais, c'est ça. C'est à moi également. Ça va être ici que je vais bricoler. Donc, a priori, on va retaper la ferme. Il me reste plus qu'à aller voir Dimitri. Ouais, la physique est vraiment bien, je trouve. La physique est bien et pourtant je ne suis qu'au clavier. On va essayer de rester sur la route. Donc là, d'après ce que j'ai compris, il y a un endroit où on peut réparer. Je ne sais pas si c'est de la réparation de voiture. Je ne sais pas si on peut prendre une vue intérieure. Ah bah voilà, elle est là. Elle est là et le volant tourne en plus. Immersif. Je fais des travers là, ça va mal se passer je pense. Alors il y a un truc qui est un peu déstabilisant, c'est que si j'arrête de bouger la souris et que je conduis, bah, la souris elle tourne pas avec le véhicule et je regarde toujours dans la même direction. Ça c'est un petit peu gênant. Oula. Vous voyez quand je vous dis que la physique elle est là et elle est plutôt bien gérée. Ok, donc là on arrive sur place. Un autre lieu d'arrivée tout à l'heure. Est-ce que... Bah tiens, je vais rentrer avec. On va aller voir Dimitri direct. On coupe le contact. On va descendre. Voir ce qu'il a à nous donner. Apparemment, l'oncle Ivan nous a donné 200. Où il est, Dimitri? Bah, je sais pas s'il faut attendre 9h, mais en tout cas, j'ai bien le point d'interrogation sur la minimap. Donc je vais rester ici. L'eau est pas dégueu non plus, hein, pas du tout. Je voulais vous montrer ça. Quand vous regardez à gauche, on voit que déjà au niveau des points d'intérêt, il y a pas mal de choses. Il y a une forêt pour bûcheronner, il y a notre maison, il y a la station essence, on l'a vu, il y a un magasin. Il y a un endroit, je pense, qui nous rachète des rondins. On a l'endroit pour réparer la voiture, on a une pharmacie, on a un stand de tir. On a le port, donc on a déjà vu, on a une zone de chasse et je crois ici un magasin d'outillage également. Donc il y a pas mal de choses, hein. C'est plutôt encourageant, plutôt bien avancé. Je m'attendais pas à autant en vrai. Juste Dimitri qui me pose un lapin, mais bon.
Ça, c'est les aléas. Je vais pas non plus m'éterniser sur ce port. Hein. S'il est pas là, il est pas là. Peut-être que c'est un autre jour qu'il travaille. Bon, visiblement, il y a personne. Hein. Je vais partir et je reviendrai. Peut-être que ça vaut le coup de réessayer l'après-midi. Parce qu'il est que 9h10. Alors, je peux pas aller voir Dimitri, par contre. Je suis assez curieux sur le magasin. Visiblement ici. Même si j'ai pas non plus des 1000 et des 100 dans la poche. J'ai 200, ça peut me permettre peut-être de prendre de la flotte. Ou... Alors, c'est ici. Ça fait quand même pas mal casse auto. Alors, c'est un marché, d'accord. Ah ouais, c'est bien foutu. Je peux même acheter des... Attends, c'est bien fait ça. Ça me plaît ça, cette profondeur. Ça veut dire que je vais pouvoir décorer ma maison une fois que je l'aurai construite. Can I help you? Non, merci. C'est pas des marchands décoratifs. Bye-bye. Bye-bye. Ça y est, moi je sympathise. Ah, il y a les potes qui boivent un coup là. Oh là là! C'est génial! Ah, moi, faut que je m'intègre. Hein. Allez. Ah. On va la mettre ici. Et on va faire un. Ah, bah voilà. Oh, yeah. Voilà, il a plus soif. Ah, il tient bien en plus. Il tient bien l'alcool. Hi. Ah, c'est là que j'achète mes meubles. C'est au marché aussi. Génial. Puis il est pas petit le marché, hein. Bonjour madame. Là il y a du matériau. Génial. Have a nice day. Big sale today. Cuisine équipée. Bye chambre, bye. Salon. Bye 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 bye. C'est un vrai marché. C'est le marché le plus réaliste que je vois en jeu vidéo depuis toujours. Ok. Il y a un autre endroit que j'aimerais bien checker. Avant qu'on s'arrête, c'est le garage auto. J'ai vu tout à l'heure que qu'on est passé devant un garage. Alors, on va remettre la minimap. Ouais, c'est bientôt sur la gauche. Là-bas, je sais pas ce qu'il y a, mais ici, il y a un garage. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ici? Pour l'instant, j'ai fait quelques pets, mais ça se voit pas, donc je sais pas si c'est juste visuel et qu'en réalité, je l'ai abîmé. Ah d'accord, c'est automatique. Et je l'ai bel et bien abîmé. Il m'a pris la moitié de mes thunes, 100. Il y a un truc qui m'échappe, j'arrive plus à avancer. J'arrive plus à reculer. Ah, il y a des outils là, j'avais pas vu. J'ai quelques outils sur moi. Oh, j'ai même du minage. C'est quoi ça? C'est du poivron. D'accord, il y a 2-3 trucs sympas. Je pense que je suis en panne d'essence. Et que c'est une coïncidence, je suis tombé en panne d'essence ici. Puisque regardez en bas, au milieu... il est bien sur le E, donc j'ai plus d'essence. J'ai le voyant rouge qui s'est allumé, donc j'ai même pas vu ça en arrivant. Hein, c'était vraiment par curiosité que je suis venu ici. Mais bon, en tout cas, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce jeu. C'était également mon but, étant donné que j'ai trouvé aucune image et aucune info sur le web. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour être notifié de la suite. Il se pourrait bien qu'on continue cette aventure. Allez, pas mal ce van. Allez, merci et ciao. Je vais rentrer à pied. Hein. J'étais sur la route.